Salut Rénal. Ça commence bien. Déjà là, c'est moi. Je me reconnais là-dedans. Nous avons finalement. Bon, je suis bien content pour toi, ou contente. Non, je suis content, moi. Toi, es-tu contente ou content? Je sais pas si t'es un temps ou un tente. Alors, nous avons finalement, bon, mais doublement content. Finalement quoi, là? Finalement trouvé notre animateur pour l'émission Rock Franco, qui débute le 5 avril. Tu seras donc libéré de 2 heures. Ah, mordou. Libéré, parce que là, j'étais en libération inconditionnelle, et là, je serai dans la libération conditionnelle. Tu seras donc libéré, ouais. Doublement libéré. Es-tu ne pas trompé? Elle est si facile, est un homme libéré. Tu vois, c'est pas si facile, il n'a pas tombé. Elle est si facile, est un homme libéré. Tu vois, c'est pas si facile. Alors, tu sais, les auditeurs aussi seront libérés, c'est tout, c'est surtout eux. Libérés de 2 heures, même si cette formule. J'ai jamais fait de voiture, non? Comment ça, la personne s'imagine, je suis en formule un peu. Cette formule te plaisait bien. Te plaisait bien la Formule 1. Bon, ben, c'est de la vitesse, hein, puis risque d'accident, puis. Non, mais surtout, la bretelle est difficile à atteindre, hein, à 250 000 $, puis aujourd'hui, ils ont tous changé les véhicules, puis on voit de plus en plus rapidement, ils ont tous plus à atteindre, nous autres, avec ça. Ah, non, on l'évite. On l'évite les courbes, on l'évite tout. Ah, on l'évite de se tuer aussi. Mais il faut l'éviter de se tuer, parce que si on se tue, on peut pas recommencer après. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on est mort. Puis là, ah bon, du Seigneur. Mais on finit quand même en véhicule encore, hein, parce que ben là, c'est pas nous qui conduisons. Nous autres, on est dans une petite boîte en carton. Ou pour le plus gros budget, ben, c'est en bois. Puis on nous embarque dans un genre de gros suppositoire. On ouvre ça la porte, le derrière, puis on rentre le grand suppositoire dans le derrière du véhicule, puis on ferme le derrière, puis on dit « claque ses fesses », puis va-t'en. Puis après ça, bon, on sort le suppositoire du derrière, puis après ça, on l'envoie dans la terre, puis on secoue la terre, puis ça dépend si tu veux te brûler, moi je veux pas avoir de niche, moi. Pas un chien, une niche, c'est un mot, ça c'est incroyable d'avoir placé une niche. Moi, je veux pas être dans la niche. Moi, ce que j'aimerais, moi, c'est que s'ils peuvent faire ça, je suppose qu'ils vont pouvoir parce qu'ils me connaissent. Puis, moi, j'aimerais premièrement être mort dans le cercueil, pas vivant. Hein. C'est très important. J'ai peur de manquer d'air là-dedans, mais si je suis encore vivant. Et puis ensuite de ça, mais j'aimerais ça aussi que pas me. Comment dire, pas brûler. Moi, je veux pas être insignifiant. Je suis pas insignifiant. Ça. Pas incinéré. Oh non. J'ai rien à brûler. Moi, là, mon corps ne veut pas le brûler. Je vais faire manger par des bon appétit à tous, par des tivades de terre. Il y en a qui avaient des tivades de. Ah, on ne peut pas en parler, mais ils ont entendu manger des tivades. Mais après ça, ben, c'est ça. J'aimerais ça qu'on chante une petite comptine. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, c'est tout et puis s'en vont. Après ça, tout le monde se tire dans le trou. Mais c'est un concept, hein? C'est unique, ça, là. J'aimerais ça. Tout ça a commencé avec la Formule 1. Et puis, bon, la personne qui m'a envoyé, nous avons finalement trouvé notre animateur pour l'émission du Rock Franco qui débutera le 5 avril. Tu seras donc libéré de 2 heures, même si cette formule ne te plaisait bien. C'est écrit par Maillot. Maillot. Rénal? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rénal, connais-tu Maillot, là? Ben, je connais Mayonnaise.